Salut les mecs, petite vidéo avant de se faire reconfiner, mais aussi avant de passer les 50 000 abonnés. Là, à l'heure actuelle, dans moins de 300 abonnés, on a les 50 000. Donc s'il vous plaît, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Même si t'es abonné, partage à tes petits potes, ta soeur, ton frère, ta mère, ta cousine, tous tes potes, tu partages, on passe les 50 000 ce soir. Au moins, je vous réalise le défi qui a été dit dans la dernière vidéo. Si vous voulez aller voir, bah n'hésitez pas, le lien il est juste là-haut. Donc vous m'avez donné un défi que je vais être obligé de réaliser, donc je le ferai. Bref les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Léo. Aujourd'hui on se trouve dans une petite vidéo. J'ai fait de l'enduro encore une fois avec ma 50. Bah ouais, on était un petit groupe de moto complet. Comme d'habitude, c'est quel débile qui arrive à se crash? Bah c'est moi, comme d'hab, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Mais là il y avait d'autres motos et au final ça s'est pas passé comme prévu. Vous pouvez voir, c'est mon premier crash avec la moto. Je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai. Bon bah je vais vous le dire maintenant, j'ai le poignet qui est un peu pété, j'ai le genou qui a pris un gros hématome et qui s'est légèrement ouvert. En fait, j'ai pris l'autre genou aussi qui a fait un petit coup, mais en vrai ça va, j'ai rien de grave. La moto quant à elle, vous allez voir dans la vidéo, elle a quelques petits trucs, ça fait chier, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Bref, je compte sur vous pour liker cette vidéo. Si la vidéo a 3500 pouces bleus, je vous ressors une vidéo dimanche. Merci à tous. Viens me suivre sur Instagram mon pote, parce qu'on est bientôt 10 000, ça fait plaisir. En plus là je bombarde les stories, et surtout si on se fait reconfiner, t'inquiète que sur Instagram et sur YouTube ça va charbonner les vidéos, hein. Commentez, partagez, donnez-moi des petits conseils dans les commentaires. Mais en vrai au niveau de la chute, est-ce que j'aurais pu la rattraper? Parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'aurais pu rattraper, parce que j'ai montré ma chute à des potes, ils m'ont dit ouais, ça arrive tout le temps, c'est clairement rattrapable comme chute, t'étais pas obligé de tomber. Mais pour moi le meilleur truc c'était de me jeter à terre quoi, enfin de jeter la moto et tout. Du coup bah dites-moi ça dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'il y a des professionnels du motocross là-dedans. Sur ce, bonne vidéo. Regardez cet enduro magnifique. Non, 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 non. Ok, donc moi aujourd'hui je suis le seul qui est en pneu route, en pneu slick, c'est très intelligent de ma part. En plus ils vont bombarder, donc il y a une 125, je sais plus trop quoi. C'est une DT50 l'autre, et moi bah je suis en derby 50. Donc toutes nos bécanes elles envoient de la patate, hein. Ouais d'accord, ouais. Ah, roi de rage là. Wow, 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 wow. Vous inquiétez pas hein, les mecs, dans les commentaires. Là, dans le champ où on a roulé tout à l'heure, ça appartient à un des deux mecs. Du coup, bah carré, genre on n'est pas sur des terrains privés ou quoi. Oh là là, en plus ça dit bonjour et tout, c'est vraiment des beaux gosses. Ah, par contre, il y avait vachement de trous, donc je vais éviter. Voilà. Alors je sais pas où ils veulent m'emmener. Je crois qu'ils ont parlé de forêt, mais je crois qu'ils ont oublié que j'avais une 50 super mode. Oh mais attends, mais c'est trop bien. Ah ouais, ok, interdit aux motos. Ok, en fait les quads ils sont... Avant on avait fait un terrain de cross et un de mes potes. Ah ouais. Oh c'est trop beau avec les feuilles les mecs. Profitez du roulage de l'extrême. Elle est stylée sa veste Yamaha, j'aime trop. Wow, 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 ouais t'inquiète. Ouais t'inquiète, j'ai pas failli tomber non. En fait moi le truc c'est que je peux pas trop bombarder parce que je connais pas. Attends mais où est-ce qu'ils m'emmènent là les collègues? Ouais ouais. Bah ils sont trop cons. Ah c'est... Moi oui, ils sont trop débiles ces enfants. Oh je me suis dégueulassé. Ouh. Ouais ça va toi, tu prends les appels en plein milieu de l'enduro toi. Ah il est bien là-bas. Regardez cet enduro magnifique. Non, 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 non. Alors après il y a le mec intelligent comme moi qui passe pas dans l'eau quoi. Regardez-le. Ah, faut quand même être concentré dans ces chemins, hein. C'est un truc de fou. Wow, non, non, non. Non.
Non. Ah. Ah, sa mère. Ah. Ah, le genou. Ouais, ça va. Ouais. Tiens. Vas-y, filme avec l'iPhone là, je vais faire 100 000 vues. Ah putain, qu'est-ce que ça. Ah, mon genou. Ah. Ah. Bon, les mecs, ce qui devait arriver arriva. Je viens de te péter. Sa mère. T'as fait comment? T'as glissé? Ouais. De l'avant? Ouais. Merde. J'ai pas trop grand chose. Oh non, merde. Dis-moi que j'ai pas cassé un carénage. Non. Non, mais t'en as t'as vu gros fou. Moi ça va en vrai, les mecs. J'ai rien de grave. En fait, j'ai glissé là. Où ça là? Ah, ouais, ça. Bah, surtout avec des pneus comme ça. Là. La poignée était déjà comme ça, ouais. Non, les mecs! Non, putain, gros, non! Vraiment? Vraiment, non! Non, mais gros, si! Oh non, mais pas non. Un guidon plié! Non! Mais non! Mets-toi dessus, bon! Ok, non! Et regarde ta roue! Regarde! Tiens! Tiens, moi! Mec, ta roue, elle est comme ça, ton garde-boue, il est comme ça! Tu promets, attends! Oh, on le voit! La fourche elle est pliée. Non, c'est pas la fourche. Non, non, je crois pas. Enfin, mais gros, regarde. On est d'accord. Ouais, là, y a une... Mais non. Qu'ils ont faté. Non, il est pas. Mais non, mais non. Ah si, le guidon il est plié, ça se voit. C'est ça, alors. Regarde. La roue elle est droite, je crois. Ouais, c'est juste le guidon qui est pas droit en fait. Ah, j'ai l'impression elle est tordue comme ça aussi. Regarde. Sur le côté. D'accord. Pas droit. Ah non, là c'est pas droit, chef. Bah, moi, c'est pas droit, mais c'est pas normal, ça, c'est la fourche. Ah non, il y a un truc pour qu'elle se remette droit. On dévisse ça, 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 et normalement elle se remet. Non. Et là, il y a rien de tordu là. Ah là, elle est putain de travers. Mais non. Oh, regarde. Attention, on est comme ça. Tu regardes. Okay. Mais mec, j'ai l'impression que c'est l'avant qui est plié. C'est ça le carénage. Ouais, la roue et la fourche. Mais c'est une blague, putain, non. Bon, j'ai envie de péter un câble. Regardez, c'est vrai, hein, l'avant, il est plus droit. Bon, bah voilà les mecs. Hein. Première fois de ma vie. Mécanisme chien. Attends, encore, t'as encore ton lève-moto ou pas? Bah tu pourras pas, hein. Là, il n'y a pas de... Ouais, t'as un lève-moto que tu mets en dessous, ton moteur. Regardez les mecs. Elle est toute dégueulasse. Et là, bah, la fourche elle est un peu pliée. Celle-là, bah, ça va. C'est une moto fait pour. Ça, c'est une moto fait pour. Ça, c'est pas une moto fait pour. Mais bon, là, je vous promets, je la refais tout clean. Et je la revends. Donc, s'il y a des intéressés, bah, je revends ma moto. C'est mort, j'en veux plus. J'arrête, j'achète un vélo électrique. Voilà. Quand t'es électrique, tu montes à 300. Ouais, donc là, on va faire mon premier tuto. Moto, je suis dégoûté les mecs, bref je vais essayer de vous filmer ça et ciao. Ouais. 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 J'ai toujours lavé mes motos comme ça, moi. Allez, je vais plus redémarrer après. Ma pauvre moto. Ouais, la veste. Ouais, la selle, t'inquiète, c'est rien, c'est la rue. Hein. Pense à mon cul un peu, non? Non.
plus elle est griffée je crois. Bah ça les carénages ils vont être changés. C'est pas moi ça. Oh mais regarde. Eh y a un ressort au carénage. C'est bizarre. Bon c'est pas la vidéo que je voulais faire de base hein. C'est bien quoi. J'aurais jamais voulu faire une vidéo où je tombe avec ma moto. Attends. Ça fait un peu chier quoi. Voilà c'est bon, on est un peu trop propre. Oui après je ferai tout. Ouais là c'est bon je ferai tout à la main après. Elle retrouve de sa jeunesse là. Nettoie en dessous là. Allez commis. On va voir celle demain. Bah ouais, au car même mouillé. Enlève-nous toute la merde. Après vous êtes trop direct. Oui oui. Bah ça je le ferai chez moi. Alors Marlis, ça se comporte comment le lavage d'une 50 DT? Aucun, c'est... Non. Ah, regardez ça, regardez comme il a le sème. Regarde. C'est la rue. Bon voilà, salut les mecs, on se retrouve fin de journée. Alors déjà avant que la vidéo commence, enfin que la fin commence, j'aimerais dire que j'ai kiffé ma journée. Peu importe ce qui va être dit dans les commentaires, j'ai kiffé, voilà, c'était super cool. Bon bah voilà, je me suis défoncé le genou, je me suis un peu râpé. La moto quant à elle n'a rien, hormis un petit guidon plié, mais... Je vais racheter un guidon d'origine et poignée d'origine, je vais tout refaire bien comme il faut. Donc en vrai j'ai kiffé ma journée, donc à aucun moment je peux regretter. C'était super cool, mais vraiment. Certes, ouais, il y a eu cette petite chute dans le chemin, mais au moins j'ai vu ce que ça faisait quand on roulait pas avec des motos adéquates. Non, mais en tout cas l'enduro c'était vachement cool. Vous avez vu, j'ai roulé en plus avec une vieille... Je sais plus c'était quoi la marque. Kawa je crois. La moto elle a un peu morflé de devant. Mais bon je vais recevoir un kit carénage complet. J'essaye de plus en plus me filmer tout le temps. Parce que certes il y a des fois je profite et tout. Du coup je pense pas trop à filmer.